Direction Banamay, l'église chrétienne de Jésus-Christ de Banamay a rencontré ce dimanche 4 mars les centrales syndicales et les confédérations syndicales du Bénin en initiant un tel cadre d'échange. Les responsables de cette église veulent œuvrer pour un dénouement donc de la crise sociale actuelle dans le secteur. À la fin de cette rencontre tenue à la chancellerie de l'église à Calavi, Anselme Amosou de la Casa Bénin, de la COSI Bénin, donné son point de vue. Donc, suivez donc Anselme Amosou de la COSI Bénin au micro de Patrick Ayadi. Nous saluons la qualité d'écoute que nous avons eu en face. Nous avons eu des échanges tout à fait conviviaux et très, très forts, très sincères. Et nous pensons que la médiation qui se propose là à travers l'église de Banamay est une médiation qui fait suite à celle que nous avons déjà eue avec le président du Conseil économique et social. Nous pensons que l'école doit être sauvée, que l'année doit être sauvée. Nous n'avons jamais été en grève en pensant une seule seconde à une année blanche. Nous savons donc que la bataille que nous menons n'est pas une bataille pour les beaux yeux de quelqu'un, mais c'est une bataille également pour la survie de l'école béninoise. Donc l'année scolaire doit être sauvée. Et nous avons intérêt, aussi bien nous, organisations syndicales, aussi bien nous, travailleurs, que le gouvernement, à faire en sorte que cette question-là ne revienne même plus sur le tapis. L'Église, c'est Dieu. Dieu, c'est la paix. Et tout ce qui touche la paix dans un pays, il faut toujours calmer le jeu tant qu'il est temps. Et donc, en tant que père, père de famille, père de la nation, aucun papa responsable ne peut voir sa maison en feu et ne rien faire. Nous les avons invités pour les écouter, pour les comprendre, pour savoir un peu ce qui se passe entre eux et le gouvernement. Ils se sont vidés, ils se sont exprimés de façon dépassionnée. C'était bien quand même. Et donc, après cette démarche, nous allons, dans la mesure du possible, voir ce que nous pouvons faire